Salut Tom, on se retrouve pour la suite sur Europa Universalis 4. Et je suis pas allé où est-ce que je voulais pour soutenir les rebelles. Est-ce que je ferais quand même une revendication? Ouais, pour avoir une excuse pour les attaquer, on va réclamer Breda. Non, c'est pas du tout la bonne chanson. Je vais chanter la même chose que la musique plutôt. On pourrait changer de musique d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a qu'on n'a pas beaucoup entendu? D'accord. Je connais pas du tout les titres, mais je pense que je connais à peu près toutes les musiques. J'ai pas de DLC pour ajouter les musiques. Est-ce que contrôler par le biais de dépendance, ça suffit? Brogne, je vais. Non, il faut avoir soi-même. Alors. Waouh! Certains regrettent le temps où la chrétienté était unie. Même s'ils considèrent que la réforme et la naissance du protestantisme étaient une nécessité, ils se lamentent ainsi que cela n'ait pu se faire sans schisme. Même s'ils sont pétris de bonnes intentions, ces gens peuvent s'avérer être un danger pour une église telle que la nôtre. Il y a donc tout lieu de s'inquiéter car il semble qu'un certain nombre de membres de l'église ainsi que de séminaristes partagent ces idées. Donc soit je me contente de leur dire « Ouh là là, les gars, c'est pas très très bien ce que vous faites. » Dans ce cas-là, on perd de la puissance contre les missionnaires et on gagne de la tolérance contre les hérésies. Ou alors, on perd de la stabilité, on gagne de la puissance cléricale et les nobles gagnent en loyauté. On va perdre de la stabilité. Du coup, on est monté à 65. Ah, je peux faire ça. Ah mince, j'aurais dû faire le mois d'avant. Un commandant ne nous servira plus. Dommage. Désastre imminent. Bah, je fais tout mon possible, mais je suis pas assez rapide pour lui. On a 53%. J'ai plus de trait contre la. Est-ce qu'on libère Flandern? C'est une province qui rapporte énormément, mais bon. Ah, c'est des provinces qui me rapportent tellement les Flandres. En même temps, j'ai fait exprès de prendre les Pays-Bas en sachant que comme ça, je pourrais me débarrasser des provinces sans trop souffrir. Ah, ça me fait mal au cœur. En plus, ça lui rapporte rien maintenant. C'est parce qu'il n'a pas encore créé l'État, mais il va le faire probablement. Non, on lui rapporte beaucoup à lui. Pays-Bas. On pourrait faire ça, réclamer toute sa puissance commerciale. Mais sachant qu'il va probablement grossir, on va peut-être pas faire ça. On pourrait détourner les revenus de l'Autriche. Mais ça m'a pas l'air très intéressant. Waouh. Comment ça? Persistance des espoirs de réconciliation. J'ai déjà eu cet événement. On va faire ça, ça, et puis on se contente de les réprimander.
va pas descendre de plein de stabilité parce que conviction religieuse, ils auraient préféré que ça se fasse sans brutalité quand même. Ouais, mon ordinateur est super chaud. Bien, on aura un nouveau. L'Empire, ils ont dit oublier. Et si je mangeais l'Empire? Ah, il s'est allié à Pologne, le bougre. Pologne s'est trouvé allié avec le nouvel empereur. Mais en revanche, si jamais je me décide de les attaquer, je pourrais manger Rostock, c'est ça la strat. C'est la Saxe. On n'est plus en guerre avec elle. Silésie est trêve et elle a Saxe-Lauenbourg en partenaire mineur. D'accord. Je pense qu'on va s'attaquer à la Saxe si on a l'expansion agressive dispo. Pas trop. Pas trop, pas trop, pas trop du tout. On va plutôt attendre. Alors, des Alsaciens. Ils croient qu'ils peuvent être indépendants? Je sais pas ce qu'ils s'imaginent. Ça doit être loin de la réalité. Ça va nous rapporter plein de revenus. Armée. Hop. 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 Commerce. Ah, j'ai des bons points de commerce. Bon, on va s'arrêter. J'ai plus de sous. On doit avoir toute une liste de bâtiments en construction. Très bien. Ça va nous rapporter des sous. Les bourgeois. Non, c'est pas cet écran-là que je voulais ouvrir, c'était plutôt celui-là. Ah mince, j'aurais dû demander une. On va leur accorder des chartes. Ah mince, bon, du coup, ils sont en négatif. Dommage. Faudrait que je convertisse les provinces à proximité. Bah, par exemple, l'Alsace, ce serait bien de les convertir. Mais ils ont du zèle religieux, très bien. Palatinat. Palatinat, ça peut se faire très vite. C'est une province relativement grosse. Non, la réputation ne fait pas tout, je pense. Oh, ça fait cher en légitimité. Est-ce que la Lorraine va se séparer? Il va falloir qu'ils arrêtent quand même. Bon, on va perdre de la stabilité si besoin. J'ai perdu chacune de mes provinces. Que les Pays-Bas jugent bon d'avoir. Il en reste 3 encore. Qui vont réclamer un jour ou l'autre. J'ai monté à 100 points. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Puissance des missionnaires, ça pourrait servir. Agitation dans le pays, ça m'intéresse encore plus. Sachant qu'on va avoir un désastre imminent. Il s'est déclenché? Le désastre? What? Pourquoi il s'est rien passé avec le désastre? Je sais pas, mais bon, c'est une bonne nouvelle. Alors, on a plein de gens qui sont dispo. La Poméranie, t'as pas de raison d'être si vexé. On n'a pas fait grand chose.
Alors, est-ce que Colsberg s'est converti ça maintenant? Protestant, 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 protestant. Je devrais aller chercher plutôt comme ça. Réformé, mais pas convertissable. Catholique, pas convertissable. Bâtiment en cours de construction, pas convertissable. Convertissable. Hop. Je pense qu'il n'y a pas eu de conflit religieux parce que j'ai changé de religion entre temps. Si je réclame 100% du commerce des Pays-Bas, je vais récupérer leur 6% dans le nœud de la Manche quand même. Alors plutôt que la Manche, en fait, ça vaudrait la peine de collecter des revenus là. Je pense. Ouais. Triste, mais en perdant mes provinces, je suis devenu moins puissant que les Pays-Bas dans le nœud de la Manche. Les Hongrois, ils voudraient se séparer. Vas-y, la Pologne, va taper sur Milan. Trop d'agitation pour intolérance, culture non acceptée. J'ai pas accepté les Hongrois, peut-être que je pourrais les accepter. Les Wallons, on est beaucoup. Prendre les Hongrois. Ça joue toujours un peu. Culture. Où est-ce que je trouve ça? Là. Rhénane. Il y en a tellement des Rhénans. Bon, après, c'est plus. Après, c'est néerlandais. Ah, mais c'est dans mes cultures principales. Ma question, c'est des cultures que j'aurais. Alors, il y a les Tchèques. Il y a les Slovaques. Je devrais peut-être accepter les Slovaques, même si ils sont pas très nombreux. Les Wallons. C'est pas des provinces Pays-Bas, Pays Basque, ça? Si. Si. Donc on va pas accepter les Wallons au cas où les provinces passent aux Pays-Bas. En revanche, on va prendre les Slovaques. Voilà. Bon, ceux que j'ai le plus, c'est les Rhénans, la culture rhénane, comme j'avais vu. Mais vu que j'ai une étoile qui permet d'amortir le choc, ça va. Enfin, qui permet de pas trop perdre, ça va. Alors, toi. À chaque fois, ils se révoltent sur Pest. C'est peut-être parce que c'est la province la plus prompte à se révolter. On va passer par là, puis par là. Merci, la Pologne. Angleterre, le mariage est rompu. Le mariage est rétabli. Augsbourg, ça coûte un peu cher. Ah, trop tard. La Hongrie partagée entre des protestants et des sunnites, les pauvres.
pourrais faire une petite guerre contre l'Ottoman si j'avais la Russie à mon aide, par exemple. Elle a des dettes. Sinon, elle voudrait bien. Et la Pologne, j'ai plus de trucs avec eux, mais il faudrait que j'en récupère, je pense. Ce serait bien. Là, j'ai trois dépendances, donc je peux avoir que deux alliances. À moins que je sois empereur. Ah, la Bohème, ils votent pour eux. Alors que personne vote pour eux. Ils ont personne en bon choix. Ah, ils ont leur propre évaluation de points pour eux. Pour savoir s'ils votent pour eux ou pas. Est-ce que la Lorraine va réussir à se libérer? En fait, il faudrait pas que je fasse des conquêtes sur la Lorraine. Ah non, ils ont fait la paix sans rien libérer. Dommage pour moi. Sacrifier des points, j'ai pas envie de trop perdre trop de trucs. J'ai plein de malus à cause du duc qui est pas de la bonne religion. Franchement, comment ça se fait que vous soyez présent d'un missionnaire? Non, il n'y a plus de missionnaire. Ça va disparaître le bonus, le malus alors? Quelles sont les grosses provinces du coin? 9 par exemple. Mais il y a de l'agitation. On va plutôt convertir des gens qui sont pas du tout agités. Ah bah la Bourgogne s'est encore convertie. C'est la faute des centres religieux qu'on finit par disparaître. Donc c'est à moi de convertir là mon pays. On va essayer de tenter de mettre des rebelles là aussi. Ça va me coûter des sous. Rebelles néerlandais. Ah, ou alors rebelle du Brunswick. Deux provinces récupérables. Ils sont nombreux les Milanais à passer chez moi. Alors, nos diplomates cherchent toujours des personnes de talent qui pourraient être recrutées et prêtes à œuvrer pour le bien du pays. L'un de ces diplomates vient de remarquer un homme de basse extraction, certes, mais talentueux, que nous pourrons employer. À quel secteur devrions-nous l'affecter? J'ai actuellement une doctrine diplomatique à développer, donc on va lui demander de passer en diplomatie. Faudrait que je fasse des guerres pour regagner du prestige. Ça pourrait être des guerres contre mes rivaux. Là, ils veulent se révolter. Là, il n'y a pas de sentiment de révolte. Là, ils ont de la bonne religion, donc ça va. C'est où les soulèvements les plus probables? Nitriens, bavaroises, croates. Il y en a qui se révoltent pas beaucoup. Je me dis que un point de stabilité de plus pourrait aider. Ça coûte beaucoup. Là, ils veulent se révolter, je sais pas vraiment pourquoi. Contrôlé par les bourgeois. Ah, les bourgeois sont rebelles, c'est vrai. Opposition aux dirigeants étrangers. Oh non, je peux pas soulever les Pays-Bas. Par contre, si jamais je sépare Utrecht ou un truc comme ça,
et après ils pourront rejoindre les Pays-Bas. Est-ce que Zealand c'est intéressant? C'est où Zealand? C'est là. À par rapport à Utrecht. Zealand, Utrecht. Ils ont aucun. Comme ça, non? Ou alors Brabant. À Hant, machin. Là. Oh, Brabant, c'est plus intéressant. 100%. Territoire illégitime en plus. Pas en quarantaine. Séparatisme, territoire illégitime. Ouais, la Lorraine s'est libérée. Est-ce que la Lorraine est dans l'Empire? Ah ouais. Enfin ouais, c'est pas intéressant pour moi, mais... Elle va sacrifier ses troupes quand même. 19, c'est trop. Ouais, 14, 13, 12, 11. 11 000 hommes, c'est ce qui lui plaît. Elle est déjà allée au Danemark. Oh, c'est fou ce que c'est allé vite. J'ai rien besoin du Danemark, donc on va peut-être pas l'attaquer. On va couper celle-là. Les Croates, c'est pour sa monnaie. On va les faire disparaître. Il y en a plein qui accepteraient d'être mes vassaux. J'espère que la Pologne va perdre. Qu'elle va céder des... Elle va libérer des États. Oh, elle est devenue grosse, la Pologne. Depuis que Tchernigov est plus allié à personne, ils ont vassalisé Karakoyunlu. Ils sont tellement loin, Karakoyunlu, comment c'est possible ça? Oh, ils ont progressé en Crimée, ça aide. La Russie aussi a progressé en Crimée. Il est comment notre héritier? Il a une légitimité forte. Il a péri, il y en a un moins bon qui l'a remplacé. Mince. Je vois la Pologne complètement siégée. A perdu beaucoup. Conversion terminée. Là, ils envisagent de se révolter. Là, c'est les séparatistes bohémiens. Ils sont à zéro. Très bien. Convertissons-les avant qu'ils aient le temps de d'évoluer. Sont juste allés au Danemark. Je sais pas pourquoi leur vote se porte sur le Palatinat. Le Palatinat qui, au lieu d'avoir 7 000 hommes ou 8 000 hommes comme ses voisins, en a 11 parce qu'il est empereur. Ce qui fait quand même très très peu, hein, mais bon.
Bon, il va falloir que j'aille chercher la Saxe, moi, à force. Silésie et Trèves, ils ont pas d'autres alliés. Mince, je suis pas mis sur la bonne province. Land. Sud. Les Nitriens, ils veulent se révolter. Trois provinces qui sont proches de se révolter. Les trois qui sont pas qui sont encore catholiques. Ah, fin de la guerre, qu'est-ce qu'a perdu la Pologne? Il y a moyen de savoir ou pas? Pas dans les infos récentes. Beaucoup de provinces face à l'ordre de Livonie. Alors qu'ils sont alliés à la Russie. Mais c'est à cause de Munster, je crois, qu'ils ont perdu. Maintenant, ils sont en guerre contre Tchernigov et Karakoyunlou. Est-ce que Tchernigov... Ah non, c'est eux, ils se relancent tout de suite à la guerre. Ils viennent de perdre une tonne de territoire face à l'ordre de Livonie. Et l'ordre de Livonie est en guerre contre le Danemark. Et les Ottomans, waouh, attaquant face à Danemark dans la conquête suédoise de Blekinge. Et ils entraînent les Ottomans, la Russie et l'ordre de Livonie à leur suite. Ça sera peut-être pour moi l'occasion de prendre Holstein. Sur un territoire nitréen. 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, 7. Hop là. 7, 7. Est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. On va le savoir tout de suite. Non, ça suffit pas. La noblesse, elle s'en va. Bon, avec la troupe de plus, ça devrait le faire. S'ils se révoltent, là, ils vont m'écraser une armée, par contre. Ah, c'est bon, ça descend. Fin de la traite avec les Pays-Bas. C'est mes alliés, les Pays-Bas. Qu'est-ce qu'ils voudraient qu'il se passe? Brunswick, je peux pas. Néerlandais. Non, c'est S que je veux, moi. L'ordre de Livonie est devenu très gros. Et au début, il avait des bons alliés, puis il s'est fait tuer par le Danemark. Puis la Lituanie l'a bien embêté. L'un des plus grands avantages à disposer d'une église d'État est la capacité à atteindre tous les fidèles du pays en une seule fois. Une journée nationale de prière approche, et il est d'usage pour le sermon de ce jour d'être en partie dicté par les dirigeants de l'église. De quel sujet devrait-il traiter pour les années à venir? Alors, on pourrait mettre secours sur le serment sur l'amour de la paix, exigence injustifiée, puissance des missionnaires, tolérance envers la seule vraie foi, ou alors on évite de s'impliquer et ça plaît au clerc. C'est ça. Donc, comme on est à 92. On gagne 1,46 par mois, ça va pas suffire. Je préfère éviter de descendre en fait. Si j'étais autour de 0, j'aurais peut-être fait ça parce que je pense pas qu'on puisse aller en négatif. Donc on va pas s'impliquer. En revanche, on va peut-être demander aux clercs. Non, je peux pas leur demander du soutien.
On a 72% d'unités religieuses. Qu'est-ce que je voulais faire chez eux? Ah, je peux soutenir d'autres rebelles, c'est vrai. Mais ça avance de combien ça? Zéro, mince, ils ont donné de l'autonomie. Brabant, c'est tout. Utrecht, on voit pas. Bon, je peux faire révolter Utrecht, hein. Je sais pas si ça suffira. Mais... revendiquer des territoires de la Poméranie. Et de la Bohême. Sachant que j'ai déjà créé l'état de Bohême qui rapporte 6. Et lui, il a des provinces qui lui rapportent. Donc, surtout celle-là. C'est une grosse province. Oldmook. Il a presque plus de révoltés. C'est cool. Voilà, bohémien, aigra, nitréen, ça diminue. Picard, tout ça. Ah, Saxe-Lauenbourg est plus sous leur domination. Dommage pour eux. Alors, est-ce que c'est bientôt fini les Nitréens? On est à 20%. Alors, l'équipe du Saint-Empire romain germanique ne pouvait être qu'être précaire. Tout partagé qu'ils étaient entre 10 états majeurs, 400 principautés de moindre importance et deux religions irréconciliables. Au-delà de leur propre possession propre, la puissance des empereurs était relativement limitée et le comportement fantasque et incohérent de certains d'entre eux, tel Rodolphe II, ne fit qu'accroître les tensions. C'est vrai que le Palatinat est très faible. En 1608, la cité protestante de Dornau ayant refusé. Ouais, d'accord, c'est la même chose, sauf que là je suis de l'autre côté de la truc. Ben, on va améliorer nos relations avec tout le monde. On peut même prendre une position. Vitesse de recouvrement des réserves, c'est pas mal. Productivité, c'est très bien. Morale terrestre, c'est pas mal. Discipline, c'est pas mal. Coût de développement, c'est bien, mais je fais rarement ça. Coût de la stabilité, bof. Prestige annuel. Légitimité annuelle, ça pourrait me servir dans mon cas. J'ai déjà plein de bonus. On va plutôt prendre. Combien je gagne en productivité? 33. Ouais, on va prendre la productivité. Ah, ça avait retombé à zéro. Ou alors j'étais pile à 100. Perte face au Danemark. Il y a les Ottomans dans leur guerre. La Pologne, elle va gagner de son côté, je pense. Conversion terminée. J'ai pas besoin de l'aide de la Russie, on va prendre l'aide de l'Angleterre quand même. Et le but, ça va être de prendre sa chaîne. J'ai plus de commandant, est-ce qu'on peut en demander un? Alors, je vais convoquer l'assemblée. Exiger un soutien. Pourquoi avant le soutien, ça me rapportait 150 points? Je ne sais pas. On va en recruter un autre. Il est encore mieux celui-là. Hop!
Bonjour Trévois, c'est fini pour vous. Sont toujours pas rebelles du tout, c'est une bonne nouvelle. J'aimerais bien que Freeze rejoigne les Pays-Bas. L'Autriche fait du bon boulot. C'est vraiment cool d'avoir des alliés qui chassent les adversaires et tout, qui font un peu les guerres, les petites guerres à notre place. Nous, on a juste à se mettre sur les forts et c'est bon. Ça me permet de relier mon pays, ça coûte quasiment rien en expansion agressive, et c'est les provinces que je voulais. Et c'est tout, hein, on vérifie. Ouais, donc il y a celle-là, il y a S, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je crois que j'avais compté 5, on va checker. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Les deux autres flèches rouges, c'est en paix et technologie administrative à 20. On est à 17. Je ne suis plus empereur, donc je peux pas me permettre de prendre des provinces et de dire de prendre des provinces pour mes vassaux en fait. À moins qu'ils aient légitimité dessus. Sinon, l'empereur il va réclamer et mes vassaux ils risquent de rendre la province. Ça dépend, ils sont en guerre contre qui, Venise? Non, c'est pas ça que je voulais voir. Hop. Attaquant face à Sardaigne dans la reconquête espagnole de Sadari. Ah, la Sardaigne s'est libérée! Ah, finalement, le Portugal a mangé tout le pays en bas. Tout le Maroc. Enfin, presque tout le Maroc. Pas tout, mais. Presque. Qu'est-ce qui m'empêche de te manger, toi, Saxe-Lauenbourg, hein? Qu'est-ce qui m'empêche de manger plein de trucs? Je me demande bien. L'expansion agressive. C'est vrai, dans une moindre mesure. Ah, je pourrais réclamer tout ça. J'ai envie de réclamer tout ça. Alors, on va essayer de prendre majoritairement des états groupés. Donc, j'ai besoin de Thuringe et Saxène. Ça, c'est obligé. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, je pourrais prendre bah, les provinces qui correspondent en fait aux états. Est-ce que celle-là est dans un état? Ouais. Ça, c'est aussi dans un de mes états. Voilà. Il y en a que je vais vexer beaucoup. Mais bon, pourquoi prendre peu quand on peut prendre beaucoup? Hein? Trèves, ils pourraient nous quitter si je les conquiers pas.
en nous versant leur argent, en changeant de religion, en me transférant de la puissance commerciale et en oubliant la Saxe. Hop. Palatina, il est quoi comme religion? Protestant. Ah mince, du coup j'ai moins de score de guerre. Parce qu'il y a qui dans la guerre? Il y a la Silésie que j'ai pas occupée du tout, c'est pour ça. Est-ce que le Danemark perd sa guerre? Non, il gagne. Parce que c'est grâce aux Ottomans, peut-être. C'est grâce à toutes les occupations danoises par ici qui sont faites par les Ottomans, justement. Non, c'est moi qui vais faire la paix, Saxe-Lauenbourg. Par contre, ils sont sérieux à reprendre leur province là? Est-ce que Trèves ou quelqu'un est électeur? Bad. Non. Si, la Saxe est électrice. On en est où de l'institution? Je l'ai eu à Prague. Et c'est tout pour l'instant. Même si Prague est une grosse ville. Ah, j'ai eu deux provinces apparemment. Prague et... une province dans le nord peut-être? Ouais. Hambourg. Bah les deux provinces très puissantes commercialement parlant. Ah non, c'est pas là. C'est là, on est à côté de Prague là, donc on a un bonus. Bon. Ratibor. Ouais, est-ce que vous voulez sortir la Silésie? Vous voulez pas nous céder votre argent, vous êtes fou? Vous croyez qu'il va se passer quoi? Vous avez la moindre chance? Eh là là, Silésie, qu'est-ce que vous dites? Quoi? C'est des fous! Ah, c'est parce qu'il y a une bataille en cours. Voilà, est-ce qu'ils vont être écrasés? Hop là! Oubliez tout le monde. Je pourrais pas imposer la religion, c'est trop. On va se contenter de ça. Ça m'a rapporté plein de prestige, entre autres. Voilà. Mince, ça fait trop. On va faire comme ça. Je pourrais tout manger. Après, il y aura le Danemark, mais si j'améliore mes relations avec le Danemark, ils viendront pas. Hein? C'est trop marrant de pouvoir tout manger. Améliorer les relations. Je suis à 100 sur les Ottomans et je fais pas attention. Alors, en Bohème, fabriquer des revendications sur Olmouc. Et sur les deux autres. Voilà, abandonner le réseau d'espionnage. Sur les Ottomans. Lika. Voilà. Est-ce que c'est bien des provinces de ma religion? Pas toutes. Pas grave.
On va désactiver la maintenance de l'armée. Désactiver les multiples forts. Il va peut-être falloir que j'en vire à force. Ça me coûte 8 quand ils sont désactivés, ça va. Je pourrais attaquer la Bohême pour lui prendre des provinces. Lorraine est devenue électeur. Ils sont susceptibles de voter pour nous, la Lorraine. On va améliorer nos relations avec eux. On va faire une Allemagne qui ressemble à quelque chose, pas juste une grande tentacule. Bon, c'est pas nécessaire, mais on dirait que j'ai le goût du risque. Et puis, si je veux faire d'autres succès comme démanteler l'Empire, vaut mieux que. Que je récupère. Les. Si je veux. Il faut que j'ai de la puissance si jamais je veux pouvoir faire d'autres succès qui demandent par exemple de démanteler l'Empire. Oui, il y a eu des révoltes. Et Munster a aussitôt rejoint la coalition. Oh, il n'y a pas de raison le Munster. Palatina, Wulm, mince, il y a du monde du coup. Mince, j'avais oublié ça. Palatina, lâche l'affaire. Ça va pas le faire. Tu auras rien. Rien du tout. C'est pour ça que c'est mieux d'être empereur pour blober dans l'Empire. En vrai, j'aurais dû être prudent et pas prendre autant, mais comme je le pouvais, je l'ai fait. Très bizarre. Ils ont pas du tout de prestige, ils ont pas du tout d'héritier. Et ils ont plus que deux provinces. Ils sont là, Trébizonde, à la base. C'est-à-dire qu'ils ont conquis la côte et que la Crimée a reconquis derrière eux. 3 évêchés ne peuvent plus être revendiqués. Est-ce que la Lorraine vote pour moi? Non. Comment ça, ils gagnent des points? C'est un truc de malade, ça! 14 princes hérétiques. Mais c'est quoi la religion officielle? C'est celle de l'empereur? Il y a 5 cités libres. Ça, j'ai aidé pour qu'il y en ait 5. Et 6 provinces de l'Empire sous contrôle. Bon, pour me faire élire électeur, il faudrait que l'empereur change quand même. Munster, il me déteste. Enfin, tous les gens dans l'Empire me détestent à peu près, donc ça va être un peu dur. Toscane s'est fait siéger et elle a lâché l'affaire. Sans rien céder, ou alors elle a cédé un truc à Milan? Est-ce que Milan était en guerre contre la Toscane? Ouais, je pense. Milan était avec l'Espagne en guerre contre la Toscane. Contre la Sardaigne et donc par extension la Toscane. Memmingen nous a insultés. À vos risques et périls. J'ai beaucoup moins de force de conversion. J'ai du
perdre des bonus, comme le bonus du fait que je me sois converti à cette religion il n'y a pas longtemps. Je sais pas du tout à combien d'épisodes on est. Ouh là là, beaucoup trop longtemps. À bientôt dans le prochain épisode.